Aujourd'hui, la presse, elle est muette. Je me pose la question. Où sont les responsables des organes de presse? Vous êtes où? Vous êtes où? C'est comme si moi, je vous reposais la question que vous nous avez posée pour dire, les politiques, vous n'avez pas de stratégie. Où sont vos stratégies? Qu'est-ce que vous avez comme stratégie? Vous pouvez rester comme ça, les bras croisés? Vous perdez vos emplois? Vous perdez tout? Yassine, le président de la HAC, est un ami pour lequel j'ai du respect et de considération. Mais aujourd'hui, Yassine doit être interpellé. Vous devez interpeller Yassine. Parce que moi-même, si quelqu'un porte plainte contre tant, oh pauvre, voilà, on se retrouve, on a signé, tu es suspendu pendant 6 mois, tu es suspendu pendant 8 mois. Ça ne peut pas continuer. Mais levez, vous dites que ça, c'est pas possible. Sinon, vous prenez votre responsabilité. Vous dites qu'à partir de maintenant, vous ne connaissez plus Yassine comme étant président de la HAC. Vous le désactivez, vous dites que vous ne le connaissez plus. Vous demandez à ce qu'on le remplace. Le président de la HAC a pour devoir de soutenir et d'aider et d'être du côté de la presse. Il ne doit pas être l'ennemi de la presse, il ne doit pas être contre la presse. Ce n'est pas possible. Trouvez votre stratégie. Vous nous avez dit de trouver notre stratégie. Il est de votre devoir maintenant, vous aussi, de trouver votre stratégie. Allez vous retrouver pour trouver la stratégie. Je voudrais ici, en votre nom, dire qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans la presse. La presse doit être soutenue. Je vous garantis, ici, président Sélou, président de la Guinée, la subvention de la presse doit être votée, encouragée, et mettra les conditions en créant la maison de la presse. Pour vous créer les conditions vous permettant de travailler. Parce que vous avez le droit d'être soutenu. La presse guinéenne a le droit d'être soutenue. Nous avons des journalistes brillants, compétents, qui font la fierté de l'Afrique. Vous ne devez pas accepter d'être réduits comme ça, comme des simples mendiants. Vous refusez ça. Interpellez Yahak, interpellez Yassine. Ce n'est pas le CNRD. Votre problème, c'est Yassine. S'il ne veut pas jouer son rôle, il a peur. Demandez-le, il faut le désavouer, il faut dire qu'il n'est plus le président de la HAC. Opposez-vous à lui. Yassine, c'est un ami. C'est un ami pour lequel j'ai des relations d'amitié, de fraternité. Mais je préfère la presse. Je préfère la vérité. Je préfère la justice à l'injustice. Vous êtes victime d'une injustice. Yassine devait être le premier à aller voir le CNRD pour expliquer quel est le rôle de la presse dans un pays. Libérez. Libérez les chaînes. On doit être indépendant. On doit écouter la presse. Il n'y a pas de démocratie sans presse.